quel âge? Moi, j'ai 27 ans. Et vous? Quel est le nom de famille? Cissé. Cissé, hein? Prénom? Le prénom, quel est votre prénom? Rousse Lambec? Comment on dit? Ni rousse, rousse. Tiens, ça alors. Ça, Rousse Lambec. Rousse Lambec. Rousse Lambec. Comprenez un peu le français? Un petit peu. Vous avez donc fait comme papier, vous, c'est ça, c'est récépissé. Demande de statut de réfugié. Vous avez eu un rendez-vous à l'OFPRA? Si, elle a de... Ça y est, elle a vu? Vous avez vu l'OFPRA? C'est pas vu encore. Et ce n'est pas... Ils n'ont pas donné de rendez-vous. C'est pas encore là. D'accord. Vous voulez apprendre le français? Vraiment? On ne s'imagine pas à quel point les étrangers, même les plus solides, sont vulnérables quand ils ne parlent pas le français, m'avait dit Marion en octobre 2004. À quel point ils se sentent humiliés de ne pouvoir s'exprimer comme ils le souhaiteraient. Elle avait ajouté: il faut voir les efforts qu'ils déploient pour apprendre notre langue. Dans un centre social du 18e arrondissement de Paris, Marion forme chaque année un groupe de jeunes migrants récemment arrivés en France. Elle a 6 mois pour leur enseigner les bases du français. Je les ai accompagnés dans leur apprentissage de la France. Bonjour, je m'appelle Chachawan. Je m'appelle Manoji, enchantée. Enchantée. Très bien. Bonjour, je m'appelle Manoji, enchantée. Enchantée. Bonjour, je m'appelle Sreya. Enchantée. Bonjour, je m'appelle Maria. Enchantée. Bonjour, je m'appelle Samir. Bonjour, je m'appelle Sreya. Enchantée. Qui vient de Turquie? Sreya. Qui vient de Tchétchénie? 4 personnes. Tchétchénie en force. 4 personnes, beaucoup. Qui vient de Géorgie? Manana. Ok, Manana. Alors, vous allez chercher la ligne.